Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Road Rash. Alors, on avait fait la version, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on avait fait une version 3DO. Et je me demande si on n'avait pas fait une version Saturn ou PlayStation. J'avoue, j'ai plus trop de souvenirs. Cette fois-ci, on est sur la version portable, donc la version sur Game Gear. Game Gear, comme vous voulez. Donc, on va déjà voir les options du jeu. Alors, on peut rentrer les passwords, on peut faire One Player, Two Player. Alors, Two Player, j'imagine que l'on peut jouer avec un câble Link, enfin dans ce genre entre deux consoles. On peut activer la musique ou non, les effets sonores. Play Tune, Left or Right, je sais pas ce que c'est. Ah, on peut choisir les morceaux, il y a 7 morceaux disponibles. Ok, on va faire Exit. Du coup, bon, on va voir, on va découvrir ce jeu ensemble. Honnêtement, j'en ai aucune idée de comment ça va se jouer, comment est-ce que ça va rendre, etc. Sachant que la Game Gear est une console qui est plus puissante que la Game Boy à l'époque. Hein. Et surtout, elle est notamment couleur, comme vous pouvez le voir là. Par contre, elle a un affichage LCD qui est assez dégueulasse. Donc, pour commencer, on a quoi? On a la Sierra Nevada, on a la Pacific Coast, on a le Redwood Forest, le Palm Desert, Grass Valley, Sierra Nevada. Bah écoute, on va commencer par le premier. Celui sur Start, je pense qu'on démarre. Alors, beaucoup d'entre eux préfèrent se battre que de faire la course. Attention, fais attention autour de toi, Natacha. Bonjour, Natacha. Allez, c'est parti. Démarrage en trombe. Alors, voilà, comme je disais, on est sur Game Gear. Donc, vous attendez pas à un truc de fou en termes de graphique. Il va falloir comparer avec le jeu de l'époque. Après, en vrai, pour débuter, je dirais que c'est vraiment pas trop mal. Alors, normalement, voilà, je peux mettre des coups. C'était un petit peu, bah, à l'époque, la petite... Oula, je suis allé sur une... Je crois que j'ai glissé sur une flaque d'huile, là. Donc à l'époque, c'était un jeu qui avait vachement plu, parce qu'on pouvait se bastonner avec des motards en allant à toute berzingue sur des routes. La vitesse de défilement était super élevée, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Alors après, c'est une... Ouais, ça glisse énormément parce que je suis encore roulé sur un truc de pétrole là, ou sur une feuille, sur quoi j'ai roulé. Et donc du coup l'idée, bah, c'est de pouvoir faire la course, qu'on pouvait se bastonner contre les motards. Alors je ne sais absolument pas quand on va finir la course, bien sûr. On a une barre verte, je pense que c'est notre barre de vie, enfin j'imagine. Quand j'ai fait une erreur tout à l'heure, elle est tombée un petit peu. Je suis 7ème, on a en bas deux rétroviseurs qui me permettent de voir où sont les autres joueurs. Alors honnêtement, les rétroviseurs c'est assez marrant parce que ça permet justement de voir si quelqu'un nous rattrape et si on peut le mettre un pas avant qu'il avance. Par contre, je trouve ça dommage parce que je pense que ça va prendre un petit peu de puissance graphique quand même cette histoire. Et peut-être que s'ils n'avaient pas mis ça... Oula, j'ai failli prendre une voiture. S'ils n'avaient pas mis ça, peut-être qu'on aurait pu... On aurait pu avoir un jeu un poil plus joli. Même si franchement, ça va hein, pour une console portable. Faut attention à l'embranchement là, on va se prendre les bagnoles. Alors vous voyez, on a... Je sais pas trop ce que c'est, vous pouvez voir, il y a une petite barre rouge au milieu. Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est les kilomètres-heure à laquelle je vais, là j'ai l'impression d'être à 250, 260 km/h peut-être. On va le savoir assez rapidement, 27. Bon, c'est les kilomètres-heure peut-être, les kilomètres abattus, enfin... Déjà parcouru. Si je lâche... Bon, ça change rien, 30. On verra à quoi ça correspond. J'ai pas d'explication, j'ai pas de manuel, j'ai rien du tout. Il va falloir deviner par soi-même. Alors, c'est la Game Gear, donc comme vous pouvez aussi vous en rendre compte, il n'y a pas beaucoup de boutons. Ah, Slater, alors attendez, j'ai tapé Slater, mais est-ce que c'est... pourquoi j'ai la barre qui est orange? Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a pris des dégâts? Idée. Bon, on est à 2 minutes 36 de... Ah oui, devant, c'est Natacha, justement, celle qui nous a donné des conseils. Bah, écoute, Natacha, je t'aime beaucoup, mais j'aurais aimé te mettre des pommes. Oui, j'aurais aimé non, mais disons que pour le jeu, j'aurais aimé. Et donc effectivement, quand on va taper des joueurs devant nous, j'ai l'impression qu'ils perdent des points de vie. Et je vais manger une voiture. Et du coup, Natacha est repassée. Donc l'animation, comme en vrai, c'est une conversion, hein, ils l'ont expliqué. Une conversion, je pense qu'une conversion de la Mega Drive. Pour la console, réalisée par Prob, donc. Un studio que beaucoup de gens adorent, enfin. Même s'ils ont quand même réussi à faire des jeux assez corrects, hein, surtout, je crois que c'était les...
Et d'ailleurs, non, si je dis pas de bêtises. Alors ce qui est dommage, c'est que vous voyez, on a le son de la musique, mais on n'a pas le son de la moto. On a le son que quand on glisse. J'aimerais savoir ce que ça donne aussi si... Ouais, j'ai failli réussir à lui mettre. J'aimerais savoir ce qui se passe si on enlève la musique. Est-ce qu'on aura le son de la moto à la place? J'ai un gros doute, hein, franchement. En termes de maniement, le jeu est assez facile. Ça se manie bien, j'ai fait un petit saut. c'est assez simple, et puis c'est pas très rapide. La vitesse du jeu, elle est quand même très très faible. On n'a pas l'impression d'aller très très vite. Il y a d'autres jeux du même style, hein, des jeux de course. Sur la console, sur la Game Boy, etc. Ça va beaucoup plus vite que ça. Là, on a l'impression d'être vraiment en ralenti. Par contre, on ressent bien les dénivelés. Ça, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Elle est attachée à nous deux. Bah, nous deux non, parce que j'ai déjà passé. Je suis troisième. Je sais même pas combien de tours il y a à faire. Ah, peut-être que 56, c'est peut-être le nombre de pourcentages de la course effectuée, peut-être. On verra ça. Ah non, fini. Fini, fini, c'est terminé. Donc, alors la barre rouge, c'est évidemment la vitesse. Voilà, vous l'aurez compris, la petite ligne rouge, plus à gauche, plus on est lent, plus à droite, plus on est rapide. Et on a fini troisième, du coup, on a gagné 300$, donc on a 1300$. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on va pouvoir acheter quelque chose avec? Alors, on a plusieurs motos. Ok, donc ça c'est bien. C'est notre moto, ok, yours. Donc la Shuriken 400, qui fait 60 chevaux pour 400 kilos. Alors 400 kilos, je pense que non, hein. Je pense que c'est plutôt 200 kilos. Parce que 400 kilos, la moto, waouh, wow, mon dieu. Je pense que ça va être incontrôlable. On a la Panda 600, qui du coup est un peu plus puissante. Elle fait 90 chevaux, avec qui vaut 5000. Donc pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. Hein. Crédit. On a la Banzai 750, qui est un petit peu plus puissante aussi. Puisqu'elle fait en crédit 7000. Elle est un peu plus lourde aussi, j'ai l'impression. La Kamikaze 750. Alors, c'est pas les vraies marques, hein, vous l'avez compris, c'est des marques inventées. 105 chevaux. La Shuriken 1000, alors 1000, je pense que c'est les centimètres cubes. Shuriken 1000, elle fait 12000. 12000, 12000. La Ferrucci 850. Ah, il y en a énormément. Hein. Panda 750 encore. La Diablo 1000. Alors celle-là, elle fait 150 chevaux et on revient à notre modèle de base. Donc pour le moment, je peux rien acheter. Je peux pas l'améliorer, je peux simplement acheter cette moto. Rien faire de plus. Donc c'est déjà la nôtre, donc du coup je peux faire quoi? Pour Chase ça sert à rien, on va faire Exit. Et du coup, bah on va tenter par exemple... Ah, on voit notre classement, on a été 3ème à Sierra Nevada. On va faire la côte pacifique, ça a l'air sympa. On verra si les graphismes changent beaucoup ou pas. Alors, le Viper a eu un club. Si Swing avait à toi, grab, il prend le... ouais, bon, j'ai pas compris, mais... on va pas se mentir. Alors c'est parti pour la West Coast, et je n'ai pas démarré, c'est génial. La musique a changé, donc je vais me taire un petit peu, on va l'écouter tranquillement. Alors je sais pas s'il y a des points gagnés si par exemple on arrive à par exemple faire tomber un motard ou pas. Je sais pas s'il y a des bonus à ça. Parce que pour le moment j'ai l'impression que ça gagne beaucoup d'argent de remporter la course. C'est tout, hein. Pas forcément faire tomber les autres. Alors si je fais la touche ou la touche basse, ça ne change rien. C'est vraiment gauche-droite, accélérer et mettre des points. On peut même pas freiner. Il n'y a pas de bouton pour freiner, je crois que ça sert à rien. Pas réussi.
Ça manque un petit peu d'ambiance quand même, on va pas se le cacher, parce que là, hormis la petite musique sympa, qui d'ailleurs, oui, est très sympa, moi j'aime bien. Attention à la flaque de lui, là, attention, ça va glisser. Pour moi, ça va. C'est bon. On va réussir à nettoyer les gommes. Il y en a un petit peu sur le côté, on en a encore repris une. J'ai réussi à en pousser un dehors, il est rouge. J'ai quasiment réussi à le mettre dehors. Je suis en train de battre Shiva, on va rattraper Natasha. Alors j'ai essayé au mieux, évidemment, ici, de vous mettre en scène l'écran de la console, qui est quand même, autant se le dire, très dégueulasse. Je pense que vous devez... je pense que vous le voyez. Hein. Et je suis tombé. Cassé, dégueulasse. Bon, pour l'époque, c'était pas mal. Hein. Faut dire que l'écran était assez petit, c'était quand même... Ça rendait bien. Mais maintenant... il faut que je revienne en arrière pour récupérer ma moto qui est là, voilà. J'ai oublié ce détail. On n'a pas eu tellement de temps, là. On est 6ème. Et moi je faisais rien, j'attendais bêtement que qu'il aille chercher la moto, mais en fait il faut se déplacer carrément pour récupérer la moto. Alors bien sûr, il n'y a pas non plus de vue embarquée. Hein. Vous allez devoir vous contenter. J'ai encore pris une flaque. Vous allez devoir vous contenter de cette vue-là tout le temps. Alors honnêtement, quand je vois les jeux du même style sur la Game Boy, par exemple, à l'époque, je me dis quand même, il y avait quand même de quoi peut-être faire un peu mieux hein, sur la Game Gear. J'ai plus souvenir de la différence de puissance, enfin en tout cas en pourcentage par rapport à la console de Nintendo. Et je pense quand même qu'il y a moyen de faire un peu plus joli que ça. On sait que la Game Boy Color, par exemple, elle était un peu plus puissante en termes de fréquence processeur, en plus d'afficher évidemment des couleurs. Là, mais là, on va la comparer avec la Game Boy première du nom, puisqu'il n'est pas encore la Game Boy Color à cette époque. Et je crois qu'elle était quand même bien plus puissante. Et d'ailleurs, il s'en est vendu quand même, je crois, 10 millions en tout de Game Gear, dont 3 millions en Europe. Pas de bêtises. Et c'est la fin, non? On a fini 4ème, c'était pas super. Ça, c'est moyenne. Donc, c'est une console qui a quand même relativement, je dis bien, marché. Mais c'est sûr que si on la compare par rapport au... J'ai connu que 200. Si on la compare à la Game Boy, elle s'est fait totalement écraser. Hein, mais par exemple, si on la compare avec la Neo Geo Pocket, qui pour moi est une console excellente, même si elle manque beaucoup de jeux, on va pas l'acheter, de toute façon j'ai pas d'argent. On va essayer notre circuit. Redwood Forest, on a fait la Pacific Coast, Redwood Forest, Palm Desert... J'en ai fait le désert, pour une fois, tiens. Par rapport à la Neo Geo Pocket, alors qu'est-ce qu'elle dit déjà? Stay on the road, bon reste sur la piste. Ok, donc oui, le sable est glissant et vous pourrez perdre le contrôle. Merci Natacha. C'est sympa de donner des conseils pour ce que juste après on la tape. J'ai pas trop compris le délire. Et donc pour revenir rapidement à la Neo Geo Pocket, c'était une console qui était beaucoup plus puissante que la Game Boy à l'époque. Game Boy Color en plus, même la Game Boy Color. Et elle avait des jeux qui étaient plutôt réussis pour les jeux de combat par exemple, mais comme elle n'a pas eu assez d'éditeurs dessus, voire quasiment rien, il n'y a pas eu de jeux vraiment qui tiraient parti énormément de la console. Et c'est un petit peu dommage. Je crois qu'il n'y a même pas eu un seul jeu de course hein, sur la Neo Geo Pocket. Alors sur la Game Gear, on en a quelques-uns. Alors il n'y en a pas eu beaucoup hein, de jeux de course sur la Game Gear. Aïe aïe, on a eu un jeu de F1 qu'on avait testé à l'époque. Wouah, ça glisse. Il y a eu quoi? Il y a déjà des jeux Sonic aussi de course. On en fera un bientôt. Enfin, bientôt, une fois, hein. Je dis jamais prochaine fois parce que vous savez très bien que la prochaine fois c'est ultra random. Mais bon, il y en a eu pas tant que ça. Et je me suis dit que quitte à tester un jeu de course, on allait quand même tenter Road Rash parce que Road Rash ça restait une référence à ce moment-là. Bon, en vrai, le jeu est pas si mal. Hein. Si vous êtes console portable, que vous êtes en 93-92. Ça va, hein. Vous êtes quand même content d'avoir ce genre de jeu. C'est sûr que maintenant, bon, ça passionne plus grand monde. Il n'y a pas assez de challenge, c'est très très moche. Enfin voilà, c'est... Alors peut-être que le jeu... Après, on dit je dis ça, mais j'ai pas réussi à gagner une course depuis le début. Hein. Ça se trouve, le challenge est quand même présent. J'ai bien envie de me concentrer d'ailleurs pour essayer de remonter rapidement. On est combien? On est 5ème. Alors le truc, c'est que je ne sais pas la durée de la course. Je crois qu'elle avait duré 59 ou 69... je pense que c'est les kilomètres. Enfin, ils ont peut-être un peu exagéré les kilomètres, là.
Allez, on est quatrième. Petit podium pour finir, peut-être une victoire, ça serait cool. Bon, je crois pas que je vais avoir assez d'argent pour débloquer le deuxième modèle. Ça aurait été intéressant que je puisse le débloquer d'ailleurs. Ça m'aurait permis de vous montrer un modèle plus rapide. Parce que je pense que quand on a les motos les plus vite, les plus rapides du jeu, ça va pas être la même, hein, je pense, en termes de difficulté. Là, c'est assez, je vous dis, c'est assez lent. C'est pour ça j'étais un petit peu déçu au début. Mais il faut pas oublier que quand on va débloquer d'autres motos, ben, ça va être beaucoup. Par contre, je ne vois pas grand intérêt de faire tomber les concurrents. Bah, je trouve qu'on n'y gagne pas spécialement grand chose, à part le fait de les ralentir, certes, un petit peu. Mais ça s'arrête là, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand chose de plus. Allez, je vais pouvoir réussir à dépasser le premier. En plus, j'ai réussi à ne pas me prendre la flaque. Alors, on va se concentrer. Il n'est pas loin derrière, Viper. Bien. Bloup, bloup, bloup. Si vous avez pas la musique dans la tête à la fin de la vidéo, je sais pas ce qu'il vous faut. Dépasser le véhicule là. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de voitures sur ce circuit dans le désert. La voiture, c'est toujours la même. Hein. Ils ont pas innové avec un autre type de véhicule. Ils ont fait qu'un sprite, j'ai l'impression. Et j'ai fait me la manger. En plus. Attention, on tourne. Hop là, il faut être assez réactif quand même. Parce que si j'ai attendu une demi-seconde de plus pour tourner, je pense que je me la prenais. En tout cas, derrière moi, il n'y a plus personne. On va dire que pour une fois, je vais pouvoir utiliser les rétros. J'aimerais pouvoir vous montrer, elle est quand même une deuxième moto. C'est vrai que là, le fait de pouvoir gagner cette course, ça va être important. Je ne sais pas si j'aurai assez pour autant, parce que je crois que c'était 7000 la deuxième. Et je l'ai pris quand même. Attention au sable. Et on a gagné la course. Ouais. On a fait se manger la bagnole après, mais sinon c'est bon. C'est marrant, c'est vraiment le... Limite le stéréotype du succès très court, quoi. C'est l'ascenseur émotionnel. Tu gagnes une course, puis 15 secondes après, tu te prends la bagnole en face. Alors du coup, on a gagné... c'est tout? Que 750? Bon, bah, on n'aura pas assez. Hein. 2200, je crois que pour acheter une moto, c'est pas suffisant. Ah non, c'était 5000 pour pouvoir en acheter une nouvelle. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, on va débloquer au fur et à mesure les motos, on va pouvoir essayer de gagner toutes les courses du play, et potentiellement peut-être débloquer un tracé. Je pense que je n'ai pas besoin de faire une vidéo de 3 heures, hein, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que je pense rapidement du jeu? C'est un jeu qui, en tout cas pour la Game Gear, est pas mal. Correct, voilà, hein, le maniement est bon. Il y a un peu de challenge. C'est propre graphiquement. Ça casse pas trop patin un canard, mais ça fait quand même bon le taf, donc voilà. Je vous le recommande en fait si vous avez une Game Gear, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup trop de choix en termes de jeu à ce niveau-là. Donc, quitte à choisir un jeu de course, bah, prenez Road Rash, même si, comme je vous dis, je comprends pas trop l'intérêt des. Comment dire. L'intérêt de taper les joueurs. On voit pas beaucoup. Alors peut-être que le mode de joueur est sympa à tester aussi. Par contre, je n'ai pas de Game Gear sur moi. Désolé. Mais on fera peut-être ça les prochaines fois. On a les high score aussi. Voilà, je ne vous ai pas forcément montré. Ici, Fan, Eldog, Lobster, Natacha. On est très content de voir qu'ils ont beaucoup d'argent. mais bon, ça s'arrête là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde. Thank you.